Moi, c'est Per Vegard Sjøkvist. Je suis suisse-norvégien, étudiant en ingénierie à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Je suis un passionné de la montagne, plus précisément le ski freeride et l'été, le vélo enduro. Le ski en Valais, c'est clairement incroyable. On a les meilleures conditions, beaucoup d'ensoleillement, mais quand même de la bonne neige. Et plus précisément, le Val d'Anniviers à Chandelin, ça, c'est ma station. S'orienter vers le freeride, c'était assez évident pour moi. Skier entre des piquets et être contraint à rester seulement à un endroit, c'était vraiment pas pour moi. Ça, je fais déjà avec l'école. Il faut se faire plaisir, il faut travailler son côté créatif, aller voir des nouvelles faces, exprimer sa créativité dans cette belle PAO et jouer à la fois dans les couloirs ou entre les mélèzes. Ça fait toujours plaisir. It was big enough, eh? Alors l'EPFL, c'est tout d'abord une des meilleures écoles mondiales dans le domaine de l'ingénierie. Et on a la chance qu'elle soit dans notre belle Suisse, à côté de la maison. La stimulation intellectuelle, pour moi, c'est important. Mais c'est sûr que si je pouvais passer plus de temps en montagne et essayer d'en vivre, ça serait vraiment bien. Mais il y a un côté en moi qui a besoin aussi de faire un peu autre chose, même si ça sera juste pour revenir encore plus fort dans la montagne et en profiter encore plus. Le plus compliqué avec les grandes études et le ski combiné, c'est que dans les deux, on a envie d'être les meilleurs, mais il y a quand même des sacrifices à faire. Et souvent, ça, pour mon cas, ça penche pour l'école. Mais j'ai toujours en tête de rider à fond et dès que je peux, c'est m'éclater sur les skis et me faire plaisir. J'ai commencé un peu plus sérieusement le ski freeride après les juniors, où j'ai vu qu'il y avait la possibilité de progresser dans le milieu. C'était relié avec la montagne et il y avait ce fait où on pouvait vraiment progresser avec les amis. Ça continue à travailler mon goût pour la compétition et la concurrence envers soi-même et les autres. Moi, j'aurais voulu genre enchaîner de ces take-off, venir sauter celle-là. Et après, mec, je sais pas, après, je pense, je vais tirer une strie à travers les sapins, là. Prêt, hein? Ok, alors départ dans 3, 2, 1, salut! Les compétitions, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu quand même beaucoup de fails.
Mais ride avec les potes, ça c'est le plus important. C'est là où tu te pousses vers le haut et tu partages des bons moments ensemble. Et c'est pour ça qu'on le fait ce sport. Magique. On est avec Julien. Un bel rando short sur cette merde. Ok Loris, drop. Les runs de fin de journée, ouais, ça c'est la folie. On est en haut de la montagne, on est seul, on profite du sunset. Et là on drop, on finit en grande courbe avant d'aller en boire une. Ça, c'est la vie.